Salut, c'est Vincent. Salut, c'est nous. Aujourd'hui, nous vous donnons notre avis de la Ludo sur Destin de voleur, le jeu de Constantinos Kokinis et Sotirios Tsantilas, édité par Super Meeple. D'ailleurs, nous remercions donc chaleureusement l'éditeur de nous avoir envoyé ce jeu afin de pouvoir vous le présenter. Et vous avez pu voir donc deux parties sur la chaîne, une partie en duo, et d'ailleurs je te dis bravo Lou, et une partie en solo. Destin de voleur mélange plusieurs mécaniques que nous apprécions, le combo de cartes, le draft, ainsi que la gestion de ressources. Alors, on peut commencer, Lou, si tu le veux bien, par parler des points positifs. Ouais. Et j'ai envie de commencer par parler de la qualité du matériel. En effet, nous avons un matériel de très bonne qualité, de très bons jetons, bien épais, et des belles cartes joliment illustrées, façon bande dessinée, qui permettent l'immersion dans cet univers à la Voleur de Bagdad et Aladdin. Les cartes sont effectivement très rigides et bien épaisses, très agréables à manipuler en partie. Il y a des enchaînements de combos, ainsi qu'un sentiment de montée en puissance. Et la mécanique aussi originale, c'est qu'il y a la progression des cartes du futur vers le présent, puis vers le passé. Oui, ça, effectivement, le fait qu'on place des cartes dans trois zones de jeu bien distinctes devant nous et qu'elles progressent de l'une à l'autre, c'est assez original, je trouve, hein, et c'est ce qui fait pas mal le sel du jeu. Et puis, sur les cartes, on retrouve également trois types de capacités, enfin, trois façons d'activer les capacités de cartes. D'abord, des capacités passives sur les cartes lieux qui vont rester en jeu tant que les cartes se trouvent dans notre présent. Et puis, des cartes que l'on va devoir incliner, nos cartes personnages, pour pouvoir les activer. Et puis d'autres cartes, les cartes événements, que l'on va défausser dans notre passé pour activer leurs capacités. Il y a de nombreuses possibilités de scorer durant la partie, et le jeu est jouable en solo. Le jeu est jouable en solo, bah oui, effectivement, vous avez pu voir une partie en solo, avec 7 objectifs différents en plus en solo, possibles dans la boîte de base. Enfin, je dis la boîte de base, y aura-t-il des extensions, je ne sais pas. Mais 7 challenges à relever en solo, principalement du scoring, mais proposés de façon différente selon les challenges. Et puis, un autre point positif, la mise en place du jeu est extrêmement rapide. On mélange nos 3 paquets de cartes, on dispose l'ensemble des jetons sur le plateau principal, et puis c'est parti, on peut commencer. Et puis les parties durent pas très longtemps, je pense qu'en 45 minutes, une heure, une partie est jouée. Hein. Ouais. Alors, après ces nombreux points positifs, on peut parler de quelques points négatifs. Ouais. Alors d'abord, moi j'ai envie d'évoquer la collecte des ressources, parce que en effet, Destin de voleur est un jeu de gestion de ressources, mais la manière dont on collecte nos ressources en début de manche, je la trouve un petit peu artificielle. En effet, c'est simplement un chiffre imprimé sur le plateau qui va déterminer combien de ressources on va prendre en début de tour. Et ce n'est pas nous qui construisons un moteur pour aller récupérer le plus de ressources possible. Ouais. Voilà. La boîte est un peu grande, du coup la boîte est aussi vide. Hein. Quand le matériel est rangé dans la boîte, effectivement, elle est un petit peu vide. Donc on aurait pu avoir une boîte un peu plus petite, je trouve ça aurait été pas mal. Et puis, les règles manquent un petit peu de précision. Donc, heureusement, il y a une petite FAQ disponible sur le site de l'éditeur si vous vous posez des questions en partie ou après la lecture des règles. Voilà, donc il est temps de donner le bilan. Ouais. Lou, est-ce que tu donnes un Ludo à Destin de voleur? Ouais, moi je pense que je vais donner un Ludo de bronze. Un Ludo de bronze? Ouais. Ok, donc pour toi c'est un bon jeu. Eh bien, pour moi aussi, Destin de voleur est un bon jeu auquel nous aurons plaisir à rejouer nous-mêmes. Ouais. Et je lui donne également un Ludo de bronze. Voilà, donc il est temps de vous laisser. Et puis on remercie à nouveau l'éditeur, Super Meeple, de nous avoir envoyé le jeu. Si vous souhaitez vous le procurer vous-même, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Play-In Magic Bazar via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez soutenir également la chaîne, eh bien vous pouvez vous rendre sur notre page Tipeee, Vincent et Mister Lou, et suivre notre actualité sur notre page Facebook, Vincent et Mister Lou. Alors, je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Voilà, salut, salut. Salut.